Yo tout le monde, c'est Loulou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Rage. En tout cas, je vous remercie pour l'arrivée que vous lui avez consacré, 2300 vues en tout cas les amis, je vous remercie, ça fait extrêmement plaisir. Faut savoir que j'ai avancé un tout petit peu, j'ai juste bougé un peu à la première mission, avec lui justement, avec ce personnage, parce que j'étais bugué en fait, ça m'avait décalé, j'avais un problème de sauvegarde. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc voilà, je vais décaler jusqu'au premier camp. Donc voilà. Voilà, la voiture qui parle aussi, ça on adore. Donc là, on a quelle mission? Chercher des informations sur Gvasir de Laguni. Alors, il faut trouver des informations sur Gvasir. Allez, on est parti, les amis. Et Gvasir, hein, tu te trouves où, bonhomme? Ah, bonhomme? Il m'a outé? Où c'est que tu te caches? Bon allez, on va visiter un peu ce bidonville. En tout cas, là, je kiffe l'ambiance de jeu, je sais pas vous. Ah, c'est lui, ok. Morumi. Hop. Autre chose, bien la zone autour de sa base est tellement silencieuse qu'on entendrait une mouche péter. Il y a du raffut qui vient de se planter. D'accord, je vais aller voir. Alors, trouver docteur Vaxien dans le marais. Alors, c'est pas ouf. 1000, attendez. C'est ça. Contrôle au sol, laboratoire, c'est ça. Ok. Prends la petite tétine. J'aime bien cette voiture, elle communique, elle parle avec nous et tout. Ok, donc il y a le marquage au sol. Ok. C'est plutôt sympa ça. Merde, comment est-ce qu'on fait? Ah oui, on dérape avec rond. En tout cas, voilà, ce sera des épisodes de 20 minutes. Parce que voilà, l'autre jour, on m'a dit que c'était un peu trop long, les 30 minutes, donc on va réduire à 20 minutes, les amis. Puis j'espère que je suivrai toujours autant. Rien d'ici. What? Ça c'était pas censé arriver ça. Ah bon bah on est mort les amis. Ça commence très bien. Très bon début d'épisode. Oh là là. Bon, bah on va l'éviter. On reviendra faire ça quand on sera un peu mieux armé. Tracé pour pas qu'il nous explose. Et on est parti. Putain, on dirait un peu un... dans le tout début de Fallout. Fallout 4. Une arche dans le passage. Qu'est-ce qu'on a là? Salut tout le monde. Ah.
Ok, donc on a une arche à 470, mais celle que j'ai loupée. On va aller la faire. En tout cas, je rappelle les arches, hein, c'est pour avoir des armes et des pouvoirs. On va aller la faire. Ouais, bah, c'est la guerre. En fait, c'est la guerre partout. Je comprends pas qui se bat contre qui, en fait. Il y a les sentinelles de l'autorité. Intégrité à 50%. Il y a des garages pour la réparer. Ok, donc on a une arche par là-bas, on va aller checker. La voiture qui parle, c'est génial. C'est mal fait, on peut casser les lampes. Il est mort lui. Il fait tirer dessus. Ça doit être par là, je pense. Bon bah tout le monde tire sur tout le monde, mais qui est en guerre contre qui en fait? Ah, faut savoir que j'ai débloqué aussi fusil à pompe. Enfin, pas mal abusé. Oula, bah on va mourir les amis. Hein. Elle est où l'arche? Ah ok, l'arche est là-bas. Allez. Mais, nom de Dieu, mais... Oh, le mec il monte en haut et il redescend quoi. Il est où le gars qui me tire dessus? Tu crèves s'il te plaît. Allez hop, ça meurt ça aussi. Voilà. Voilà, the next. C'est bon, tout le monde est calme. Allez, on ouvre l'arche. Je sais pas ce qu'on va voir sur une arme ou un nouveau pouvoir. J'ai toujours peur qu'il y ait du monde qui me saute dessus là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Revolver Firestorm. Wow. C'est pas mal ça. Ça c'est un coup par coup, ça à coup sûr. Ah. D'accord. Je viens de comprendre. Ça les touche et ça enflamme. Toucher. Toucher. Merde. Toucher. Et toucher. C'est pas mal comme système, j'aime bien. Je crois que je vais. Ouais, on va jouer avec celui-là maintenant. Pas mal cette petite arme. Ah, ok, avec le overdrive, ça explose tout de suite. Pas mal cette petite arme en tout cas.
D'accord. En tout cas, les amis, je suis désolé de pas énormément parler, mais c'est parce que voilà, le jeu parle beaucoup en lui-même. J'ai pas trop envie de gâcher les dialogues du jeu. Donc là, il va y avoir du monde. Ah, ok, plus 233$. Ok. L'Arche des Humides. Ok. Oh, ça les one-shot pas. Ouais, bon, allez, on s'en va d'ici. La titine, elle est où? On va l'appeler Patricia, la voiture. Activation des systèmes. Ah, d'accord. Attendez, parce que du coup, j'ai cru voir que. Voilà, on peut réparer la voiture comme ça. Je fais un contrôle technique. Hein. Je kiffe les dialogues dans ce jeu. Allez, let's go, on y va. Ah, d'accord. Ah, je galère un peu avec la conduite. Hein. Allez, accélère. C'est pas ouf. On va suivre le point quand même. Peut-être qu'il va nous faire passer devant des choses utiles. Et pas dans un arbre. Voilà. D'accord, il lui a posé une question, il a pas répondu. Bonne ambiance. Croire qu'il adore lui mettre des bombes. Voilà, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros. La tante du perso que j'incarne est morte par l'autorité. L'autorité, c'est un peu c'est le groupe d'ennemis qu'on doit poutrer. Trouver le docteur, ok. C'est le groupe d'ennemis qu'on doit soulever et on a volé la combinaison de quelqu'un pour devenir un ranger, justement. Et grâce à cette combinaison, on débloque certains pouvoirs, l'esquive, le double saut. L'overdrive des armes qui permet de les booster et de régénérer sa vie. C'est le bordel ici. Excusez-moi monsieur, poussez-vous de mon véhicule. D'accord, en fait c'est un GPS le bordel. Oh là, mais tire pas bonhomme. J'aime pas trop me faire viser comme ça par des tourelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis à la recherche du docteur Vasil. Oula, je sais pas pour vous, mais c'est wow, ça m'a pété les yeux. D'armes à débloquer. Hein. Tire une charge énergétique, peut tirer un simple pression de chute, mais soutien mérite d'être chargé. C'est quoi si on attaque une tourelle? Non, on peut pas. Oui, oui, veuille tomber. Ouais. Scanner, digiscan.
D'accord, donc le gars n'est jamais venu ici, mais le scanner marche. D'accord, c'est wow. Destructrice a causé ce massacre. Un nouveau type de mutant, lourd de technologie, blindé et armé, et gigantesque. Plus aucun bâtiment. Un homme était à leur tête, le général Martin Cross. Alors il est de retour. Il fallait bien s'y attendre. Lui et son scientifique à tout faire, le docteur Pordros, ont travaillé d'arrache-pied sur le projet longévité. Et voyez-vous, pour ce problème, j'ai peut-être bien quelques solutions. Solution. Ah, ok. Oula. Vraiment dégueulasse son truc. Oui, j'ai... Olé a déjà dû vous en parler. Mon rôle dans ce... On est ça, on s'est crade. Dans 6 ans, eh ben nom de Dieu. Vous avez bien dit 6 ans. Oui, grosso modo. Je peux pas me laisser la chance. Enfin, si. Attendez, on va juste. Paramètres. Voilà. Est toujours en orbite. J'en entends parler depuis que je suis tout petit. Oui, c'est une erreur. Il est resté en position alors que les autres redescendaient sur Terre. Si Echo 15 peut-être. Je pourrais utiliser la puissance de calcul de ce super ordinateur. Je pense que je pourrais transférer cette puissance informatique vers mon vieux. Un moyen de forcer sa descente? Oui. C'est faisable depuis le centre spatial. Alors je m'en charge. Très bien. Attendez. Vous saviez que j'allais me proposer, pas vrai? Oui. Atteignez le centre spatial Eden. Wakanda. C'est parti. Allez, c'est parti les amis.
Varié au centre spatial. Ah oui. Ah oui. Attendez. Ah oui. Bon, on va se rendre là-bas, les amis, puis on va se laisser. Pas la bonne touche pour réparer. Voilà, on répare la voiture. Allez, on trace là-bas. C'est par là. La conduite dans mon jeu, c'est pas mon, c'est pas trop mon fort. C'est compliqué de gérer le véhicule. Hop, allez, on est parti. Tout cas, si jamais je vois que ça devient trop long, je vous finis, les amis, puis on se retrouve là-bas. Quoique, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller battre la sentinelle et puis on va se laisser là, les amis. Allez, let's go. On va aller défoncer cette machine. Excusez-moi le poteau. Salut tout le monde. Je suis que de passage. Ok, la sentinelle est ici. Excusez-moi. Oh, c'est pas bon ça. D'accord, bonne ambiance. Très bonne ambiance, franchement. Je vais absolument défoncer ce truc. C'est tout, ça fait pas de délire. Ouais, ça fait vraiment pas de délire. Donc on va y aller avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà le bordel. Là, une barre de vie en plus de l'autre.
se régène comme ça, c'est la seule solution, j'ai plus de... Bon bah là c'est mort. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ok, on lui a pété un truc. Aïe, aïe. Ah, je me reste 2 HP. D'accord. Très bonne ambiance. Allez, on va se concentrer les amis, quitte à ce qu'on sorte le fil à pompe. Pas tenter de le jouer trop près. Quoique au pire, attendez, on a le véhicule. Voilà ce qu'on va faire. Ça. Ça le touche pas bien. Est-ce que je prends des dégâts? Je vais mourir hein, si ça continue. Bon bah les amis, on va se laisser là, on combattra la prochaine fois. Entre les épisodes là, je vais aller améliorer la voiture. En fait c'est pas améliorer la voiture qu'il me faut, c'est... Attendez. On est dedans. Ah, il me faudra des missiles de croisière en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est pas... Allez, ouvre-toi. Hop là, on se cache. Hop, on se cache. On tire. Il charge. On se cache. On répare la caisse. Voilà. On va pouvoir l'avoir, je pense, si on fait comme ça tout. Pas comme ça. Bon voilà, il va mettre une balle, il va m'ouvrir. Allez, on peut le gérer les ennemis. Il va me broquer la caisse. Oh, ça passe au-dessus.
Ouais, on peut le faire, les amis. En tout cas, j'espère que vous croyez en moi, parce que moi, je crois pas du tout. Allez, hop, la dernière phase. C'est quoi la dernière phase? Sors d'où, ça? Ok, alors ça dans la caisse, ça, je crois rien. Allez hop. Bon bah voilà. Ce fut plutôt nickel. Bon en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me spammer la barre des pouces bleus et à commenter pour dire votre avis. Nous on va sortir de ce véhicule. Et voilà. Donc en tout cas les amis, j'espère que ça vous aura plu. Faudra que je me renseigne sur ce que c'est que ces vaisseaux là. Et toi t'as demandé. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!